La production de grains au Québec, c'est vraiment la base de toute la production de la nourriture. Toutes les viandes qu'on mange, les animaux ont été nourris par nos grains qu'on produit. Puis ensuite de ça, ben il y a une partie des grains qui passent directement là, à l'alimentation humaine, que ce soit les blés pour la farine ou les différentes légumineuses pour les salades. Ici sur la ferme, on est producteur de grains. Puis la taille de notre entreprise, c'est pas mal de taille familiale. C'est-à-dire que je travaille avec mon père, mon frère et ma soeur. Puis je dirais que même au-delà de ça, les producteurs de grains au Québec, c'est des fermes à taille familiale. Chez les Adam, là, ça fait plusieurs générations qu'on est agriculteur. C'est ça, mon père nous a tout le temps là, montré à travailler en équipe. Puis la force d'une équipe, là, c'est important. Toutes les tâches qu'on fait de l'année, on se divise, on se partage. Puis c'est quand même bien fait parce qu'on est quand même assez différents, là, chacun des membres de la famille, mais on se complète bien. On est vraiment privilégiés là, au Québec parce qu'on a la possibilité de faire une belle production de grains. Toute la vallée du Saint-Laurent, là, puis même dans les hauteurs jusqu'à l'Abitibi, là, on a des terres fertiles qui sont propices à la production de grains. Un des plus gros avantages, là, c'est de produire à côté de la population pour que les grains voyagent le moins possible. Les producteurs de grains, ce qu'on veut faire, c'est produire les grains à la demande des consommateurs, vraiment faire ce qu'ils veulent. Puis on les connaît, les consommateurs, ils veulent un grain de qualité. Puis nous autres, de notre côté, on veut le produire en quantité suffisante pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Puis ça, on veut faire ça en respectant l'environnement puis tout en étant durable. Je suis un producteur de grains du Québec, puis c'est avec fierté que je contribue à nourrir la population québécoise.